Bonjour, bah moi c'est Dorian Costanza, en service civique à la mission locale. Alors, mon parcours chaotique avant ML Prod, j'ai pas eu mon bac. J'étais un petit peu désespérée parce que je suis passionnée par le domaine de l'audiovisuel et je pensais ne pas pouvoir y travailler du fait de mon manque incontesté de diplôme. Bah déjà j'ai découvert ML Prod parce que avant j'étais bénévole à O2Zone TV, donc la chaîne de télévision participative de Salon. Étant donné qu'ils sont en partenariat, j'ai vaguement entendu parler d'ML Prod de temps en temps de là-bas et j'ai même eu l'occasion de les rencontrer au tout début. Pourquoi je reste à ML Prod? Alors déjà parce que je suis passionnée d'audiovisuel et c'est un peu le seul endroit où je peux exercer ma passion en ayant l'impression de travailler dans le domaine qui me fait rêver. Une bonne façon de commencer à travailler. Bah ML Prod, ça m'apporte avant tout de l'expérience parce que même si j'ai été 3 ans à O2Zone, que j'ai commencé à acquérir les bases, c'est à ML Prod que j'ai appris le plus de choses, notamment comment écrire un bon reportage, comment faire un bon reportage, le nouveau logiciel que je ne connaissais pas, et ça a apporté énormément. J'aimerais énormément travailler dans le cinéma, c'est le but ultime. Pourquoi pas travailler dans une chaîne de télévision, pourquoi pas faire des courts-métrages. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir m'exprimer à travers l'art de l'audiovisuel. Et tant que je peux faire ça et gagner ma vie avec ça, je suis aux anges. J'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Je suis très branchée jeux vidéo. Moi, tout ce qui me permet de m'évader, en gros, ça me fait rêver. Mon plat préféré, c'est le magret de canard, cuisiné à toutes les sauces. Ah mais carrément, quelqu'un qui est motivé, qui est attiré par le domaine de l'audiovisuel et qui a besoin de faire quelque chose de sa vie, qui est un peu perdu, déjà je lui conseillerais la mission locale sans hésiter et pourquoi pas ML Prod quoi. Évasion. J'adore le canard.